Il a pris la route de Bretagne ce matin pour être ici en direct, port de Versailles. Merci Guillaume Grolleau. Ben, merci à vous, merci de votre invitation. Vous êtes directeur de projet chez NEAVIA. Bon, vous avez fait 3 heures de route, 3h30 même, hein, pour venir... De mobilité. Ouais, de mobilité, pour venir donc de Côte-d'Armor. Et vous êtes venu avec une balise, parce que c'est le thème de l'innovation dont on va discuter. Donc NEAVIA est une start-up et elle fait des balises connectées qui dialoguent avec les véhicules. Exactement. Alors, donc, effectivement, NEAVIA, on est une start-up et on a eu l'occasion d'être intégré par le groupe, notamment LACROIX, très récemment. Donc on complète leur offre de mobilité hein, autour de dispositifs intelligents qu'on place le long de la route. Donc globalement, nos trois types de produits, c'est des balises de mesure de temps de parcours, hein, c'est qui va vous permettre d'aider. Ça, c'est pour les opérateurs de trafic. Hein, exactement, mais pas seulement. Hein, typiquement, aujourd'hui, vos applis mobiles, elles sont alimentées par tout un tas de capteurs, en fait. Hein. On est un peu le back-office, je dirais, technologique de la route. Hein, on est très rarement visible et tous ces capteurs vont alimenter hein, des applis mobiles pour améliorer la mobilité des usagers. Alors, ce qui est important, c'est que je le disais, maintenant, les balises sont connectés avec les véhicules. Il y a un projet qui s'appelle Scoop et qui va donc justement permettre de déployer des balises sur 2000 km d'infrastructure. Ça a commencé cet été en Bretagne. Exactement, oui, oui, c'est un projet très ambitieux. Je dirais la France a pris vraiment la mesure bah, du déploiement des systèmes intelligents le long des routes et on déploie effectivement bah, ce type de produit hein, le long des routes. C'est des produits qui vont permettre en fait, de pousser de l'information vers les véhicules, récupérer l'information aussi des véhicules. Je dirais pour l'usager, ça se traduit de façon différente. Quand le système sera dans sa voiture, parce que pour l'instant, ça marche avec des prototypes, des constructeurs automobiles. Exactement, les 3000 premiers véhicules hein, de PSA et de Renault hein, qui fournissent les véhicules. Et on est en train aussi d'équiper bah, tous les patrouilleurs, les véhicules de service des routes pour pouvoir monter différents cas d'usage, pour les prévenir en cas de travaux, etc. Donc de façon localisée, on a les bouchons, les accidents, tout ce qui peut être événement météo aussi. Exactement, on va avoir globalement tout ce qui va nous aider dans la conduite. On va localiser effectivement un accident précisément, pouvoir anticiper hein, par rapport à ce qu'on a sur les systèmes d'aide à la conduite traditionnelle. On va avoir des informations sur le GPS hein, directement qui vont s'afficher et pouvoir anticiper ces situations-là. Alors des balises comme ça, il y en a en région parisienne aussi. Effectivement, bah pour tous ceux qui sont venus au Mondial au travers de la 4, la 118, hein, les autoroutes parisiennes sont en train d'être équipées. Dans les bouchons, ils auront le temps de regarder demain matin. Bah, écoutez, oui, je vous les invite à regarder hein, parce que c'est ce que je dis. On fait des produits, ils sont rarement visibles, hormis le bout de chaîne qui est sur les données. Donc, effectivement, s'ils lèvent un peu les yeux, ils verront ces balises. Alors, blague à part, la cybersécurité a été prise en compte en amont pour ce genre donc d'équipement. Oui, oui, c'est un peu tout à fait. C'est un sujet très important et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que la France a pris la mesure du sujet, puisqu'on travaille sur des systèmes en fait d'échange de clés hein, techniques pour pouvoir sécuriser les données. C'est un point qui est particulièrement important et qui est fortement défendu par la France sur cette thématique-là. Et on est obligé d'intégrer effectivement des mécanismes de protection, de sécurisation de la donnée au sein de ces équipements hein, et pour caractériser les échanges entre les véhicules et l'infrastructure. Alors ces balises, on les trouve en France. Il y a aussi d'autres pays qui se lancent dans l'équipement. Complètement, hein, c'est une mouvance qui est mondiale. Hein. Tous les continents sont sur cette thématique. Tous les constructeurs hein, qu'on voit ici proposent des solutions V2X. Et typiquement, nous, ça nous amène... bah, oui. Alors V2X, c'est le véhicule qui communique avec X, c'est-à-dire en fait... bah, tous les objets connectés, quoi. Exactement, les objets connectés, donc ça va être de l'infrastructure routière, donc ça va être des contrôleurs de feu intelligents, des panneaux à LED que vous voyez le long de la route qui vont être intelligents, qui vont s'afficher sur votre GPS. Donc c'est ces dispositifs-là et on les retrouve, hein, je vous dis, ça nous a emmené en Suède, en Allemagne, il y a des corridors en fait qui sont en train de se monter, de services hein, connectés sur les routes. Voilà, après la question qui se pose toujours, c'est qui va faire l'effort d'installer ces balises, parce qu'il y a un coût, alors... opérateurs d'autoroutes, gestionnaires, bon, l'État peut-être pas trop, mais ça peut être des collectivités. Non, il y a un vrai effectivement business model à élaborer autour de ces dispositifs. Faut savoir qu'effectivement, on est aussi sur des équipements qui garantissent aussi la sécurisation des données. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est l'arrivée du véhicule autonome. On en parlait hein, sur les problématiques de dernier kilomètre. Pour assurer les déplacements des véhicules autonomes, il y a besoin d'une numérisation de l'information d'une façon générale et je dirais cette problématique-là, elle s'impose à toutes les villes qui vont vouloir accueillir ce type de navette. Bon, en tout cas, quel parcours, hein, parce que je vous connais, NEAVIA, depuis quelques années. Et donc, enfin, je dirais, ça commence, la route connectée, à devenir une réalité depuis le temps qu'on en parle. Ah, pour nous, ça se concrétise effectivement très fortement. Donc, c'est formidable, hein. On est vraiment sur une dynamique très forte. Et je pense que ça va nous emmener loin. On a pas mal d'objets connectés encore à vous proposer d'ici là. Merci Guillaume Grolleau. On termine avec la dernière rubrique de cette émission.